Yo, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre super Let's Play Zelda. On s'était laissé ici sur cette devinette la dernière fois. J'ai pas vos réponses à côté, mais je les ai à peu près retenues. Et on se met d'accord sur le fait, bien sûr, que c'est la chouette, la bonne réponse. En tout cas, merci pour vous, tous vos conseils. On va réécouter l'énigme et on va faire l'intro de cet épisode juste après cette réponse, parce que c'est Je plus important. suis un insecte, je vole et mes ailes sont transparentes. Qui suis-je? Le papillon? La chouette? Ou l'abeille? Voilà, donc on s'est mis d'accord tous pour dire que c'était le ptérodactyle, c'est-à-dire celui-là. En tout cas, merci pour vos réponses, hein, ça fait vraiment plaisir. J'appuierai sur le bouton juste après. L'épisode a été... était vu trop par beaucoup de gens, comparé à ce que je m'attendais. Disons que c'est un let's play à Dibou, quoi. C'est sympa, ça fait plaisir. Mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que je me vois pas trop faire 25 épisodes sur un jeu comme ça. Bon, en tout cas, on est reparti. Il faut savoir que là, je vais poster deux épisodes deux jours à la suite. C'est pas ce qui va se passer hein, tout le temps. Je préfère prévenir. Je fais ça juste parce que je suis très motivé et que j'ai rien d'autre à faire. Je ferai peut-être un épisode tous les deux ou trois jours en moyenne. C'est-à-dire que ça pourra aller de une semaine à un jour d'affilée. Enfin bref, on verra bien, je me mets pas de rythme particulier, donc activez la cloche, c'est important pour le référence mode. C'est parti. Tu es certain? Quoi? Non, c'était l'abeille. Non, ce n'est pas la chouette. La bonne réponse est l'abeille. Mince alors. Tu n'as pas réussi cette fois-ci. Mais tu as quand même répondu. Tu es courageux. Merci. Tu peux passer. C'est parfait. Monter un peu le son du jeu pour vous. Tu sais? Oui, je sais. Là, j'ouvre le mélangeur de volume parce que je joue sur PC, hein, du coup, ça me paraît assez logique. Je vais pas jouer sur Xbox, c'est nul là. Il y a de nouvelles informations dans notre cahier de voyage. C'est super. On peut aller derrière là? Ouais, je me suis fait ralentir par un papillon géant. Non, je me suis fait agresser par le papillon. D'accord. Donc il y a de nouvelles informations dans notre carnet de voyage. Le carnet de voyage qui est... Attention, si tu mets la radio... Non, on va pas mettre la radio. Carnet de voyage pour qui... avancer, non, non, non. Il faut non. appuyer sur ce bouton. C'est la croix. Pour tourner à droite, il faut appuyer sur ce bouton. Là, la flèche qui va vers la droite. Et oui, c'est la même chose pour aller à gauche. Il faut que tu appuies sur ce bouton qui indique la gauche. Il y a quatre autres boutons que tu peux utiliser dans la voiture. Pour avancer, il faut appuyer sur ce bouton. D'accord, c'est la parfait. Croix. Du coup, on va avoir une manette pour en plein milieu de l'écran. Tourner à droite. Ah non, ça y est. Donc on est reparti pour notre aventure. On va ramasser des fleurs, parce que c'est comme ça qu'on ramasse des fleurs. Je vais me faire écraser par cette voiture. Non, elle a l'air méchante en plus. 200 kilos de colza. 300 kilos. 200 kilos de colza, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est pour faire de l'essence, le colza, c'est des fleurs à essence. On va faire un accident, kilos. On va éviter de faire un accident. Ah bah voilà, oh, on fait un accident. Quel choc! Quel choc! C'est vrai que c'était un choc très dynamique. Là, vous allez remarquer que je parle plus fort qu'au dernier épisode. Putain, c'est un hérisson rouge. Attention! Il faut éviter les hérissons! Oui, oui. Vous avez remarqué que je suis quand même plus dynamique que au premier épisode, simplement. Oula. Attends, j'ai raté la fleur, tout simplement parce que dans l'épisode je record le soir. Et là il est 19h06, c'est un peu plus tôt. Je peux me permettre de faire un peu plus de bruit. 700 kilos déjà de colza. C'est beaucoup de colza. Je lag, ça ça coûte 800 kilos. 800 kilos de colza. Eh ben. 900 kilos. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires, c'est vraiment sympa, c'est un plaisir de voir que mon let's play Zelda vous a plu, sauf à Jackers, ça lui a pas plu. Il s'attendait à BOTW et il se retrouve sur ça, c'est presque pareil, des graphismes équivalents. Non, je peux pas avoir mes 13 kilos de colza. On fait du stock en plus parce que c'est important.
On est arrivé à destination. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Sauvegarde en cours. Ne touche pas à la carte mémoire. Pas de problème. Sauvegarde terminée. Nous n'avons plus d'essence. J'espère que nous allons en trouver ici. Ben, j'espère aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce hérisson? Ah. Bonjour, bonjour, c'est moi Gaston, le plus futé des hérissons. Je ne suis pas un molasson, je suis venu pour la chanson. Je suis Gaston le polisson, mes poils ne sont pas en chiffon. Ça pique, c'est pas des paillassons, mais si tu vois, n'est pas de frisson. Bonjour, bonjour, c'est moi Gaston, le plus futé des hérissons. Et souviens-toi de cette chanson, ça pique à dos de hérisson. D'accord, merci Gaston. Allez, il est parti. Non, Gaston, reviens. On va parler à Plop. Super Plop, merci. On peut brancher ça, non? Je glisse comme un serpent, électrique et méchant. Quand je vois un passant, je lui dis attends. Je m'enroule comme un ver, souffle terrible et fier. Et quand je suis branché, la lumière apparaît. Ah, mais c'est un peu bien. Mes brûlures sont cruelles, énergiques et mortelles. Tu serais en danger en voulant me brancher. D'accord, bah merci. On peut te brancher du coup? Ah. On va cliquer sur la voiture. Ouah, c'est qui lui? Il a l'air trop sympa. Je t'attendais, petit voyageur. Oula. Je sais que tu aimes jardiner. Et je t'ai préparé une graine magique que tu pourras planter dans le jardin d'Adibou. Super. Bah merci, écoute. Oh, et moi non plus, je n'ai plus d'essence. Mais si tu as du colza, je peux en fabriquer. C'était sûr, je m'en rappelais en vrai. Colza, mais 10 kilos de colza, non mais 1000 kilos de colza, une tonne. Une tonne de colza, c'est beaucoup quand même. Bravo, tu vas pouvoir repartir. Ah. N'oublie pas que tu peux aussi repeindre ta voiture dans le garage. C'est ce que je me disais et je pense que c'est un choix assez important. Est-ce qu'on met une voiture rouge? Une voiture... En un coup de pinceau, ta voiture est rouge. Super, laisse-moi parler s'il te plaît. Une voiture jaune peut-être? Et hop, la voiture est toute jaune. Ou une voiture verte, elle était bleue avant, donc je ne vais pas remettre bleu. Je pense que... Oh, 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 ça c'est un bon choix. Le vert, c'est sympa. Exact, le vert, c'est sympa. C'est ce que j'allais dire. Donc on va rester sur du vert pour l'instant. Et c'est à vous de me dire dans les commentaires quelle couleur vous voulez pour la voiture, parce que c'est quand même un choix assez important. Entre rouge, jaune, vert et bleu. Vert, donc le vert, c'est sympa. Le bleu... C'est l'original. Jaune, je ne sais plus ce qu'il dit. Et le rouge, en un coup de pinceau, ma voiture était rouge. Donc à vous, on va revoir pour le jaune juste. Et hop, la voiture est toute jaune. Hop, la voiture est toute jaune, voilà. Donc, en un coup de pinceau, ma voiture est rouge. Et hop, la voiture est toute jaune. Le vert, oh, c'est sympa. Oh, ça, c'est un bon choix. Le vert. C'est sympa. Exact. Et le bleu, l'original. On va repartir. Dépêchons-nous, il faut y aller. Oui.
Il faut se dépêcher. Donc dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous préférez pour notre voiture, qui va, je pense, rester assez longtemps avec nous. Ou alors peut-être l'hélicoptère, qui sait. Puisqu'on peut conduire un hélicoptère, rappelons-le, hein, avoir attention, le permis de voiture. Il faut aller vite si nous voulons retrouver l'ombre verte. Ah oui, et ça ne doit pas être très facile. Le chemin est très étroit. Il y a plein de virages et même des grosses racines qui peuvent nous empêcher de passer. Il y a des racines. Donc... Oh, le tracteur, il bouge. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans, c'est stylé. Le son est bizarre. Ça, c'est amusant. Carré. Regarde ce gros champignon. Ouais, c'est super amusant. Regarde ce gros champignon. On va ramasser 10... 900 kilos de champignons, là, encore. Je pense qu'on est pas mal. Ça, c'est amusant. Oui, regarde ce gros champignon. Ouais, tu l'as déjà dit. Regardons ces gros champignons. Oh, une vache. C'est Milka, ça. Likez pour la vache Milka. Si vous aimez la vache Milka, mettez un like. C'est important. Ça, c'est amusant. Non. Regarde ce gros champignon. J'imagine que c'est à cause de la barrière. J'espère qu'on va avoir une petite amélioration du gameplay sous peu, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on est en voiture seulement. On s'arrête, on fait une voiture, on s'arrête. C'est un peu, c'est sympa, j'aime beaucoup, mais je trouve ça un petit peu répétitif honnêtement. Et ce serait bien d'avoir un peu de variation, tel un hélicoptère par exemple, ou je sais pas moi, une moto peut-être. Plein de champignons ici. Ça c'est amusant. Regarde ce gros champignon. Ah, on arrive devant un mur au milieu de la route. Pourrait le contourner, mais non. Il avait garde en cours. Un spray différent. Touche pas à la carte de mémoire. Un spray tout modèle 3D. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ce jeu sauvegarde est en 3D terminé ou pas, parce que c'est assez spécial. On va dire que oui. Oh là là, ce mur nous barre la route. Non. Nous allons devoir le casser pour pouvoir passer. Ah oui. Tu dois faire fonctionner cette drôle de machine. D'accord. C'est parti pour cette drôle de machine qui va sûrement nous servir à casser le mur. Pour déplacer la raquette vers la gauche ou vers la droite, appuie sur les boutons de direction à gauche de la manette de jeu. La croix te permet de lancer la balle quand tu commences un nouveau jeu. D'accord. Si tu veux arrêter de jouer, pour avoir accès à la barre d'icônes, appuie sur le bouton Start. Pour recommencer à jouer, appuie à nouveau sur le bouton Start. D'accord. Quand tu as besoin d'aide, oui. Il te suffit d'appuyer sur le bouton rond de la manette de jeu. Ok. C'est parti, ça a l'air d'être un casse-brique du coup. Donc, je pense qu'on va... Génial! Tu as gagné un nouveau klaxon! Super! Tu veux l'installer dans la voiture? Bah non. C'est comme tu veux! Ah, c'est pas très maniable, c'est pas très maniable. On va rester avec une seule balle parce que c'est... La maniabilité est incroyable. Donc c'est un casse-brique. Voilà, je demandais une variation de gameplay. Après, les devinettes, les casse-briques, c'est assez, assez impressionnant. Est-ce qu'on a besoin de casser tout le mur ou est-ce qu'on a besoin de casser la plante là-haut? Dans le doute, on va finir de casser le mur avant de casser la plante. D'accord. Si j'avais pas compris que ça me rendait ma balle, je serais parti. En tout cas, gros gameplay actuellement. Je pense qu'on est... Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'était un champignon qui explose. Je pense que vous êtes tout comme moi, ébahis par... par ces variations que j'ai demandées, en fait. Hein. Moi, je pense qu'on est quand même assez gâtés par ce jeu. On demande des variations, et on en a. Et ces briques sont vraiment très longues à casser. Du coup, je pense que je vais pas me faire chier à tout casser, sauf si il le faut. Donc je vais comme ça là. Ah ouais, tout droit. Super. On peut... Ouais, ça c'est beau. Je pense qu'il faut tout casser, c'est super du coup. J'ai encore 10 balles. On est pas mal honnêtement, on est pas mal.
Après, on pourrait genre demander au jeu d'accélérer un peu. Je pense que ça serait pas trop mal. C'est bizarre que je lag pas, hein. C'est le jeu qui va à cette vitesse. Donc c'est, bah, c'est pas mal. Là, il faut que je trouve de quoi combler pour parler. Donc bah, je vais vous raconter... Je vais vous raconter l'histoire de Kikouk, du coup, hein, Kikouk qu'on doit aller sauver, qui est le robot cuisinier de Hadibou, qui se fait enlever par l'ombre verte. L'ombre verte, c'est quoi? On le saura sûrement bientôt, mais c'est une espèce de forme verte géante qui a avalé Kikouk, alors qu'il se baladait tranquillement. Veux-tu continuer à casser les murs de briques? Non merci, ça va aller. On repart à la recherche de Kikouk. C'est parti. Et donc oui, on est à la recherche de Kikouk, comme je le disais. Notre ami Kikouk, qui pourra nous aider à cuisiner une fois qu'on aura fini le jeu. Je pense qu'on est encore assez loin d'avoir fini le jeu, puisqu'on est, bah, on n'a rien fait encore. Pour l'instant, on n'a que 30 minutes de gameplay, et il me semble que le jeu est un peu plus long que ça, quand même. Mais est-ce que ça vous intéresse? Il faut aller vite si nous voulons pour rattraper l'ombre, oui. Robert. Oui, oui. Alors conduis bien, car si nous avons un accident, ça va nous ralentir. C'est vrai, c'est un bon point. On risque même de ne pas y aller si on a un accident. Bref, dites-moi si vous êtes intéressé par un épisode spécial cuisine avec Kikouk à la fin. Parce que spoiler, oui, on peut cuisiner vraiment avec Kikouk une fois qu'on l'a sauvé. On peut cuisiner de tout, et il y a Plop, le chien. Notre meilleur ami. Qui va nous aider à goûter les gâteaux. Je pense que c'est un élément de gameplay assez important, parce que c'est un peu... On fait le jeu uniquement pour ça, on fait le jeu pour sauver Kikouk. C'est compliqué à dire. Et donc pour pouvoir cuisiner à la fin. Et je ne peux rien ramasser. J'essaye de ramasser des plantes depuis tout à l'heure, des fleurs là, les petites fleurs qui sont sur le côté, mais je n'y arrive pas. Et je me rends compte que l'épisode atteint déjà 17 minutes. Donc on va continuer juste finir cette route là. Et j'arrêterai l'épisode juste après. On aura quand même un petit peu avancé. Waouh, ce virage serré, c'est possible à prendre ça. C'est quoi cette route? De la neige. De la neige. Oh, ça glisse. C'était surprenant. J'avoue que je m'attendais pas trop à ça. Il y avait quand même beaucoup de neige sur le chemin. Ma voiture a été très compliquée à contrôler. C'est vrai que c'est pas moi qui viens de faire n'importe quoi, c'est vraiment la voiture qui s'est faite emmener par la neige sur les côtés. Ça glisse! Mais en tout cas, ça glisse, comme le dit Hadibou. Ça monte beaucoup, hein, quand même. Ouf. Vers un dodan. Et on arrive devant ce portail qui est notre destination, je pense. Est-ce que ce sera une devinette pour vous faire participer aussi, en plus de la voiture? Sauvegarde en cours! Ne touche pas à la carte mémoire! Ou est-ce que ce sera autre chose qu'une devinette? Sauvegarde terminée! Sauvegarde terminée, c'est parfait. Tu vois, c'est le chemin que nous avons parcouru. Maintenant, nous allons traverser la montagne. Ah ouais. Bah le chemin qu'on a parcouru... Il en reste encore du chemin. C'est pas grave, c'est parfait. Ça fera de l'aventure. Eh bien, c'est parti. Il y a une feuille accrochée à la porte. La grille est fermée par un gros cadenas. C'est vrai. On ne peut pas l'ouvrir. Mince. On peut passer par... Oh, regarde dessus. Il y a un message. Sur les côtés, là. Enfin, peut-être pas avec la voiture, mais bon. J'ai fermé le portail, et il n'est plus possible de l'ouvrir. Quoi? Tu ne pourras plus me suivre. Et tu ne retrouveras pas le robot. Non. C'est maléfique. Je suis abasourdi, tout comme... Waouh, tout comme a dit vous. Oh là là, cette ombre verte n'est pas sympathique. Et non, à notre pas comme le vert. Tour de lui faire peur. Nous allons la rattraper et sauver Kikouk. C'est vrai, on va faire ça. Mais
On va faire ça la prochaine fois, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu te taises. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Eh bien, c'est à vous de me dire quelle couleur vous voulez pour cet hélicoptère. Du coup, comme prévu, comme l'avait dit le feu tricolore au premier épisode, nous allons conduire un hélicoptère. Et donc, c'est à vous de choisir quelle sera la couleur de cet hélicoptère. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'essence? Non. On peut choisir la couleur, c'est tout, et l'hélicoptère. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et du coup, bah, à la prochaine.